Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Terraria. Aujourd'hui on va se retrouver pour le prochain boss qu'on va faire, je pense, qui est celui de la ferme champignon. Donc du coup, ce que j'ai préparé, c'est comme vous pouvez le voir ici, deux Decapoidea Sprout. Ah oui, c'est vrai que j'ai aussi un cristal de santé que j'ai eu. En allant vers la jungle ici. Il faudra que je l'explore un peu plus la jungle, mais de toute façon, je pense que ça va être notre prochain truc et tout. Pour l'instant, on va aller vers ici. Lorsqu'en fait, j'ai trouvé le premier biome champignon. Je sais très bien que j'en ai trouvé un plus proche vers là. Mais pour l'instant, celui-ci, ce sera plus mon truc de farm. Lui, ce sera mon arène. Bon, du coup, on se retrouve ici et je vous dis à tout à l'heure. Et re. Bon, du coup, comme vous pouvez le voir ici, je suis là. Voilà, je me suis un petit peu amusé. C'est vrai que par contre, j'ai oublié à chaque fois, on a le dash. Ça m'a sauvé plus d'une fois, je vous jure. Voilà, du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? Bah, pour l'instant, déjà, on va pouvoir récolter un petit peu de champignons. C'est toujours très important. Et on va commencer à invoquer le boss. Alors, je crois. Attendez, on va prendre ça. Mais le boss, il apparaît sur soi. Voilà. Ça, c'est pour le truc à faire gaffe. Mais sinon, ça va, ça passe tranquille. C'est un boss plutôt tranquille en fait. Le truc, c'est qu'il envoie des. Comme vous pouvez le voir. Et en plus, j'ai oublié d'envoyer mon spawn mode. Mon mob. Ah! On se fait mes dépop. Hein. Quoi? Il peut destroy! Non, mais là, c'est un abus pour les gens. Là, c'est. C'est vrai que j'étais pas prêt à ça, quoi. Il peut destroy. Mince. Ah mince. Ah mince. Ah mince. Ah mince. Mince, 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 mince. On passe ici. Non, on va mourir là, je pense, les gens. Là, c'était le premier test. Mais je pense qu'on est mort. D'accord, ok. Bon bah une arène ne sert strictement donc à rien. On s'est fait littéralement mais défoncer les gens. Bah, j'ai pas en fait d'excuses. On s'est fait littéralement des pop. C'est le mot. Peut-être en fait plus utiliser le sort de l'eau en plus, voilà, ce serait mieux. Et ouais, le sort de l'eau. Et avoir quand même notre petit truc. Bon, donc du coup je pense qu'on va y aller en TP hein. Voilà, qu'est-ce que je pourrais faire là? Qu'est-ce qu'il me faudrait qui serait bien? Pas rien d'autre. Est-ce que non, j'ai pas de potion de chasseur. Voilà, bon, pour l'instant on va y aller comme ça en fait. D'accord, ok. Ce boss est un peu surpuissant. Bon, désolé si j'utilise la TP, c'est juste pour aller plus vite là hein. C'est clairement pour aller plus vite. Flemme de me retaper tout le chemin. Et de faire un petit cut. Du coup on va faire ça. Tac. En fait j'ai même une idée. On va faire ça à des gens. Rendez-moi ça. On va faire quelque chose de trop bien. En fait je vais vous retrouver après. À tout à l'heure. Bon voilà, c'était juste pendant quelques secondes et tout, le temps de faire ceci. Et hop ça, comme ça au moins on est tranquille. Et au moins on peut peut-être balancer des coups de sort de l'eau qui vont l'affaiblir à maximum. Voilà, là maintenant on est plus tranquille maintenant. Tac. En vrai, peut-être qu'on a trouvé le moyen de lui faire mal. En plus, voilà, là, ces mobs là ne peuvent pas nous attaquer, nous. Et on a trouvé l'endroit où je veux te faire spawn. Regardez-moi ça. On va le dépop là en fait. Là, on est en train de littéralement le défoncer. Ok. Par contre. Oh oui, ah, ok, d'accord. Il commence à invoquer petit à petit beaucoup trop de mobs. On va invoquer le sort de l'eau, sort de l'eau, sort de l'eau, sort de l'eau, sort de l'eau. On sort de l'eau. Ouh. Ouh. Bon ben. C'était littéralement débile comme. Les gens en fait c'était littéralement débile comme combat. C'était. Là d'accord, ok, je viens de trouver la zone pour le défoncer. Je pense que le jeu. Oh là là, il bug à mort. En fait, il y a beaucoup trop de mobs en fait là. Bon, on va d'abord s'occuper de tous les mobs. Simon. On va peut-être d'abord prendre le treasure bag. Alors attention, dans 3, 2, 1. Fegal Clump. Alors je sais pas du tout ce que c'est. Tout ce que j'ai, c'est qu'on a un. Bon, à part qu'il est moins puissant. Vous voyez, voilà les dégâts un petit peu. On va peut-être le mettre à la place de l'Azeroth. Parce que j'ai le Kindarian. On a des trucs de crête champignon. Il peut s'équiper ce man Fegal Clump to fight for you. Skull Plash Enemy to steal.
Mec, Kravelon friendly. Quoi? Non. Les gens, si j'ai compris ce que c'est cheaté. C'est littéralement cheaté. Attendez, on va le mettre à la place de ça. Déjà, c'est quoi cette boule? Bon, tant pis. Tac. Mais non. Alors, attendez, hop. Je montre en fait comment aussi. Voilà, on fait le. Peut-être que je sais même pas montrer en plus comment on faisait pour craft le truc pour l'invoquer. Bah, c'est ça en fait, c'est 25 machin. Et on a un décadence prout. Bon, ben, je vous retrouve après quand je suis re dans l'arène. À tout à l'heure. Bon, et c'est reparti. On recombat le boss. On va se remettre au même endroit où ce qu'on était, hein. Et on va tester de balancer notre fungicide. Ah d'accord. Rendez-moi ça les gens. En fait il est allié avec nous. Ah c'est trop bien. Les gens en fait si on fait ça. Je comprends pas du tout comment ça marche. Attendez, je vous retrouve un petit peu après. À tout à l'heure, les gens. Bon, en fait, à ce que j'ai compris, en fait, maintenant le boss est allié avec nous. Vous voyez, voilà, on a un boss allié avec nous. Ah non, même pas. Bah non. Oh, par contre, c'est chaud. Ok, d'accord. On va prendre se casser à un endroit. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Du coup, si j'enlève ça. On peut le refight. Non, ok, d'accord. Ok, alors les gens, attendez, 2 secondes. On fait ça déjà. On va s'y retaper, mais what? En fait, c'est littéralement buggé ce mob. Mais bon, mec, comment tu fais pour despawn? Attends, on va faire ça, les gens, désolé, mais. Voilà, tac. Est-ce que ça a marché? Voilà, parce que désolé les gens, là j'ai rien compris du tout. En fait, d'accord. En fait, c'est what the fuck. Cet item-là, les gens, je comprends toujours pas à quoi il sert en fait. Hein. C'est pour vous dire. Bon, je vous retrouve à tout à l'heure. Et re, bon, attendez, pente, what the fuck. J'ai un coussin péteur. What the fuck. What the fuck, les gens, what the fuck. Bon, du coup, on va faire ça. Et on va réinvoquer le boss sans ça. Comme ça, on va pouvoir le réinvoquer ici. Et là, voilà, cette fois-ci, voilà, on peut le faire. On peut employer, voilà, la nouvelle arme. Oh putain, mince, il peut nous attaquer aussi, quand même ici. Mince, il peut nous attaquer, il peut nous attaquer. On se déplace, on se déplace, on se déplace, on se déplace. On se déplace. Il faut maintenir le mouvement. En fait, on n'a pas besoin de maintenir le mouvement, à ce que je vois. Contre. What? On fait des dégâts, on fait des dégâts, on fait des dégâts, les gens, on fait des dégâts. Hop là, on se décale ici. On a du mal, les gens, à esquiver hein, ces coups. On a beaucoup de mal, les gens, c'est fou. Ah bah là, on est foutu, les gens, c'est. Ah non, à moins que. Attendez, est-ce qu'on réussit à le tuer avant? Est-ce qu'on réussit à le tuer avant? Est-ce qu'on réussit à le tuer avant? Non, 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 on n'a pas réussi à le tuer avant. Bon, du coup, tant pis. Bon, je vous retrouve après quelques temps de farm, à tout à l'heure. Et re, bon, bah du coup, voilà, j'ai fait encore 2 fois le boss et tout. On va faire une dernière fois avec vous, comme ça c'est mieux. Donc du coup, qu'est-ce qu'on a eu cette fois-ci? À part ça qui est buggé. Les gens, je suis. Ok, déjà, on a eu un meilleur fungicide. Du coup, je garde pas celui-là. Lui, c'est quoi? Bof, déjà je suis en mode bof. Ça c'est quoi ça? C'est abusé ça non? Oui c'est, je sais plus tout ce que c'est comme arme. C'est, ça a l'air d'être abusé en fait les gens, c'est pour ça. Du coup je vais la prendre à la place de ça parce que ça en fait, voilà, le problème c'est qu'il faut toujours cliquer. Et on n'a pas fini. On a eu, oh yes! Alors ça les gens, je vous jure c'est cheaté. On va faire ça tiens, dès le début du jeu là. Hop là, voilà, tac. Ok. Le boss maintenant. Et on va faire ça. Ta 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 ta. Ah, on est dans la merde, 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 on est dans la merde.
Bon. Je vous retrouve après, voilà, désolé, voilà. Bon, bah tant pis, au moins, voilà. Enfin, plutôt, même, on va s'arrêter ici, au pire, les gens. Parce que, voilà, j'ai envie de m'arrêter ici. Je vous dis donc à la prochaine pour de prochaines aventures. D'ici là, bah voilà, abonnez-vous, like, c'est toujours pas fait. En fait, j'ai oublié de vous dire, voilà, aussi, je prépare les vidéos en avance. Donc, du coup, voilà, c'est... Voilà, je préfère le dire. Et du coup, voilà, bah, la prochaine fois, bah, j'espère, enfin, même, j'en suis sûr, on va peut-être faire quelque chose avec la canne à pêche et les quêtes du pêcheur. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Pourtant, on va mettre ça parce que ça, j'espère, voilà, que c'est un peu puissant parce que ça a l'air d'être puissant en plus, les gens, ça. En plus, c'est chanceux. Lui, il est féroce. Quoi? J'ai pas vu ce qu'il a fait. Bon, bah tant pis. Bref, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis donc à la prochaine pour de prochaines aventures. Bisous, bisous.